extra. Accordingly. Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. Aujourd'hui, on va vous donner les meilleures méthodes pour devenir un athlète grâce à la musculation. Devenir complet. Ce qu'on fait en musculation, en général, c'est du 8-12 reps pour prendre... On veut juste être beau. Voilà, être beau, être esthétique, prendre de la masse. C'est alors vrai. Que pour être un athlète, performer dans son sport... Il n'y a pas que ça malheureusement. Être beau, c'est pas ce qui va faire de toi quelqu'un de rapide, fort ou endurant. C'est ce qu'on va chercher à cibler, la force, l'endurance, la vitesse, l'explosivité. Et c'est ce qui va vous servir pour votre sport. Ouais. Faire des programmes type bodybuilding, ça ne marchera pas sur vous les gars. Donc là, on va vous dire comment plus orienter votre programme d'entraînement pour justement développer ces capacités-là. Donc pour être rapide déjà les gars, je me souviens, moi en CM2, j'avais une technique, c'est de j'acheter des nouvelles baskets. Ah, et ça, j'avais pas pensé. Et là, quand j'allais en salle, c'est vrai, j'avais pas pensé. Non, première méthode déjà, d'oublier le 8-12 reps. Ouais, faut oublier. On va se concentrer plus sur des programmes type power pour développer la force. Tout ce qui est répétition entre 1 et 5 reps, on va prendre, surtout en début de séance, c'est là où on est frais, c'est là où on va mettre le plus lourd. Ensuite, on va aussi essayer de développer l'endurance. Ouais. Bon. On fait du cardio déjà. Donc là, c'est pour l'endurance. L'endurance du cœur, déjà, du cardio, ouais. Okay. Après, pour ton endurance musculaire. Mais là, on va rester sur le muscle. Musculaire, tu vas commencer à chercher des répétitions un peu plus longue, 15, 20, 25 répétitions. Voilà. Pas hésiter à mettre du superset, des triceps, ça va travailler ton cardio et en plus de ça, ton endurance musculaire. Puis même, il n'y aura pas spécialement d'intérêt de rester sur du 8-12 pour une simple bonne raison. Tu vas être rapide ou explosif. Plus tu vas t'encombrer avec de la masse musculaire sur toi, plus tu vas être lourd, moins tu vas être rapide. Voilà. Nous, on le voit, on est devenu des gros muscus. On monte des marches, on est fatigué. On accélère, on se dit, je suis trop rapide. Tu regardes le règle de la vidéo, tu vas tout doucement. T'es lent. De toute façon, vous le voyez dans les sports, à la télé, les sportifs, les footballeurs, les basketteurs, ils sont pas minces, énormes. Ils sont musclés. Hein, voilà, ils sont athlétiques. Donc, si c'est le physique-là que vous cherchez, c'est ça. On oublie 8-12 reps, on fait de la force, on fait de l'endurance. Et aussi, pour être performant, on va aussi travailler le statodynamique. Ouais, je connais ça. Ça, j'aime bien ça. Donc ça, t'en as fait beaucoup dans ta programmation basket. J'en ai fait beaucoup au squat, ouais. Et du coup, ça consiste en quoi? Il y a peut-être des gens qui connaissent pas du tout. Déjà, tu travailles en lourd, en général, quand tu fais ça. Pas aussi lourd que quand tu vas travailler avec rebond, par exemple, au squat. Tu vas mettre un petit peu plus léger, par exemple. Moi, d'habitude, je fais mes 5 reps à 180, là, je vais mettre 160. Tu descends. Une fois que t'es arrivé là où t'es censé remonter, tu bloques pendant 2 secondes. Et le but, c'est de remonter le plus vite possible, comme si tu voulais sauter, par exemple. Les gars, vous bloquez un temps d'arrêt sur la phase concentrique, sur la montée, par exemple au squat, et on va travailler sur du statique. C'est ça. Ça permet de travailler l'explosivité. Ouais. D'ailleurs, l'explosivité, c'est important quand on veut être athlète. Et dans tous vos mouvements en musculation, on vous dit toujours de retenir la descente, de contrôler aussi la montée, de mettre un maximum de tempo sur la fibre musculaire. Ici, ça ne va pas être le cas. On veut des fibres rapides. Du coup, à chaque mouvement, sur l'explosif, le plus vite sur la montée, la concentrique, il faut pousser très très vite. Soulever terre, c'est un excellent exercice pour le faire d'ailleurs, parce que la barre elle est morte, on n'a plus la concentrique à faire, bam, tu lâches. Très rapide, et ensuite tu lâches. C'est vrai. Tu retiens pas la descente. Après, moi j'ai utilisé encore d'autres méthodes, mais après, forcément, on va pas forcément utiliser du matériel, c'est un peu plus différent, tu peux faire de la pliométrie, par exemple. Après, ça c'est plus pour se spécifier dans son, dans son sport. Hein, parce que Mais ça c'est quand même intéressant. Tu as aussi d'autres exercices, comme par exemple d'aller faire des fentes bulgares, là tu peux faire des montées de boxe avec haltères. Par exemple. Après, pareil, en termes de méthode, avec le fait qu'on travaille en lourd, ce qu'on va pouvoir ajouter, c'est la méthode bulgare. Tu travailles en très lourd. Une fois que tu as fini, par exemple, ta série de squat à 130 kg, bon, il faut avoir une autre barre à disposition ou alors tu le fais au poids du corps. Tu poses ta barre, tu as fait tes 5 reps, tu fais des squats sautés, t'enchaînes le plus vite possible, bam, 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 tu bombardes. Tu passes de lourd à léger, explosivité. Voilà. De toute façon, toutes les méthodes de force, vous pouvez les appliquer pour devenir un athlète. Donc, si vous voulez devenir un athlète, travaillez votre force, travaillez votre endurance. Et travailler aussi votre explosivité, donc modifier votre tempo. Voilà, la clé, c'est ça, modifier le tempo et modifier le nombre de répétitions. Toi, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce qui va sortir là prochainement sur Fitness Fusion? Il veut hyper. Ah, quand même. Vous avez vu la première vidéo où on s'affronte au basket, c'est une honte. Éclaté. J'en ai vu des combats. Et dans la vidéo, il me disait, ouais, je suis fort et tout. Voilà, nul. Par contre, je lui disais, il y a fois, il me disait, non, on a le droit, on a le droit à rien du tout maintenant que je le sais. Ouais, bah oui. T'as le droit de faire ça. Le tricheur arabe, toujours. Et c'était quoi? C'était il y a 6-7 mois, depuis j'ai appris à jouer, etc. Et je me suis fixé pour objectif de dunker pour 1m74. Plus de 80 kg, c'est pas facile. Et peut-être j'ai réussi, on sait pas. Hein. Et du coup, il a dû changer toute sa programmation.
il est passé d'un 8-12 répétitions à ce qu'on vous a expliqué là aujourd'hui. C'est vraiment exactement tout ce qu'on a dit. Et c'est dans cette vidéo-là que vous allez voir les résultats. Donc les gars, si vous n'êtes pas encore abonné, activez la cloche si tu veux devenir athlète. Et si tu as besoin d'aide pour faire ce genre de programme, on peut te le faire pour toi. Ça se passe sur www.fitnessfusion.fr. Il y a aussi des compléments alimentaires sur le site de QNT Sport Nutrition. Exactement. Il y a une catégorie spéciale athlète. Allez voir ça, il y a plein de choses qui aident. Toi, est-ce que tu prends des compléments différents depuis que tu t'es mis au basket? J'ai rajouté le collagène pour mes articulations, qui sont beaucoup plus sollicitées à force de sauter, etc. Même à la salle, vu que je travaille en beaucoup plus lourd qu'avant, ouais. Mon explosivité, je sens que j'avais quelques douleurs, etc. au niveau des genoux et tout, et ça aide. Franchement, ça aide. C'était Fitness Fusion. Force et fun.